Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, on va faire une revanche à Sailor Moon Air. Et pour cette dernière, je serai en compagnie de mon cher et tendre Guigui. Donc là, on va configurer les manettes pour pouvoir commencer le jeu. C'est fait. Et on va mettre 5 continue. Comme ça, Guigui aura la chance d'aller jusqu'à la fin. C'est quoi ça? Attends. Ouais, c'est normal. Ouais, parce que ça, c'est le niveau de difficulté. Voilà. Et on va mettre 2 joueurs. Donc t'appuies sur... Tu peux appuyer sur Start pour choisir ton personnage. Hein. Tu prends qui? Tu prends laquelle? Prends laquelle? T'as pris Jupiter? Ok. Donc j'ai pris Mars comme à mon habitude. Voilà les petites cinématiques des personnages avec leur transformation. Complète, hein. Il n'y a que le après, hein. Il n'y a pas le avant. Il n'y a pas tous les détails. Il n'y a que le après. Voilà. Donc Guigui a Jupiter et moi j'ai Mars. Comme à mon habitude. Bon, il était la plus costaud. Hein. Elle inflige un peu plus de dégâts, Jupiter. Hein. Mais elle est plus lente. Ça ira quand même. J'ai besoin de me changer les idées. Ça va me faire beaucoup de bien, ce petit let's play. Allez, on y va. Ouais, faut commencer, hein. Ah bah si tu tapes dans le mauvais sens, ça va pas le faire, hein. Bah, comme la mienne, hein. Moi, c'est pareil. Allez, viens. Si tu... Attention, le coup que t'as fait là, il faut pas... Si tu le fais trop souvent sur les ennemis, tu perds de l'énergie, hein. Faut le savoir. Ouais, mais si tu me fais ça... Tu veux me jeter, c'est ça? Ah ouais, bah, ça commence déjà, Guigui. On a l'impression qu'elle a fait une passe de volée quand elle joue ses deux mains. Ah, t'aimes bien. Ah, mais ça, c'est des coups à distance que tu fais. Ah oui, je t'ai balancé sur un ennemi. Allez, viens. Allez, t'en sors bien, Guigui, hein. Allez, viens. Ah, mais là, ça sert à rien, il n'y a personne, hein. C'est juste pour frimer ce que tu fais. Il me prend pour un projectile en plus, hein. Il se sert de moi, hein. Allez. Allez, viens. C'est du riz, tu peux le prendre. Allez. Allez, viens. C'est qui a gagné une vie? C'est moi. Allez, viens. Alors, je prends le côté. Mais... Oh là là, arrête de me troller, là. Allez.
C'est pour moi ça. Non mais, tu veux tout prendre? Allez viens, on y va. T'as vu, il y a des earless. Mais viens m'aider. Bah oui, attends, oh. Non mais. Ouais, non mais. Allez. Faut venir vers elle, hein. Sinon on va pas la voir. Et puis alors il y a des ennemis qui vont venir. Hop là. Ah, mais pourquoi tu viens sur moi? Mais non! Voilà, on a terminé. T'en es bien sorti, hein, même si par moment t'avais envie de me balancer dans les airs, je sais pas pourquoi. Tu me prends pour un ballon? Regarde, on est félicité par l'homme masqué. Ouais, il y a un B. Toi, t'as eu un C. Bon, ça va pour une première fois, hein? Ouais, j'étais proche du A en plus, là. Non, ça l'a pas du tout. Tout est fluide, tout est bon. Et tu vois clair, là, moi? Beaucoup mieux. Bah tu vois, on est arrivé à quelque chose de bon. Allez viens. En plus il est agréable comme jeu. Allez viens. Hop là. Ah bien.
Mais putain, pourquoi il fait ça? Oh putain, il est chiant, hein. Et encore. Mais arrête de me balancer. M'énerve, va faire ça. Je l'ai vu avant toi. Allez, viens. Allez, viens. On y va. Avance. On dirait la maison des Hobbits. Dans le Seigneur des Anneaux. Ou bien la maison des choux. Quoique non, la maison des choux, c'est des champignons. Allez, fais là. Le chat veut sortir. Blanca veut sortir. Blanca veut chasser la souris. Bon, c'est bon. Monsieur ferme les volets. On attend. Veuillez patienter. On attend. Je suis avec vous. Monsieur ferme les volets. Le chat a réclamé de sortir. Ma divinité favorite, Féline, a décidé de sortir maintenant pour aller chasser la souris. Elle est là-bas. Faire régner l'ordre et la justice dans mon jardin. Qui sèmera le trouble sera décapité par mon chat. On attend, monsieur. On attend. Et là, on a mon cher étante qui est suspendu dans les airs. Alors, soit je l'avais projeté, soit il s'était fait toucher par un ennemi. J'ai l'impression qu'il s'est fait toucher par l'ennemi vert. Et moi, j'étais en train de faire une projection. Et ouais, j'ai les cheveux dans le vent. Ah si, j'étais en train de faire une projection. Je l'avais projeté un ennemi. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit en détail ce que je faisais. J'étais en train de commenter la pause. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait toucher par un ennemi, là? Hein? Tu t'es pas fait toucher par un chat, gars? Regarde ce qui t'arrive, t'es dans les airs, là. Comment ça c'est? Bah ça c'est toi. Non, non, c'était quand tu t'es fait toucher. Ah, heureusement que j'étais là. Et on y va. Alors là, c'est le radeau. Fais attention. Hein. Allez. Attention, elle arrive. Merde! Bon, tu prends laquelle, toi? Décide-toi, hein. Ah bah, j'ai perdu ma vie. Allez. On y va. Oh là là. Mais non, mais arrête de me balancer, tu fais n'importe quoi. Oh non, hein, pas ce genre de conneries, hein. Mais non. Non, ça me fait pas rire. Ça me stresse. Bon, je me mets là-bas parce qu'avec toi. Bah.
Oh putain. Oh merde, j'ai perdu une vie à cause d'elle. Ouais, on se reconcentre. Heureusement, j'étais là. Hein. Allez! Tu prends la pause, on voit ça. Prendre la pause, tu sais faire. Allez, là, faut aller en arrière, je crois. Non, allez, viens, avance. Avance. Bah alors. Bon, qu'est-ce qui se passe là? On y va? Oh bordel! Mais arrête de me tenir! Eh, hey, t'embêtant, Guigui, hein. T'abuses, hein. Il veut me faire tomber, il veut me balancer dans l'eau. Tu me prends pour quoi, là? Attends. Moi, je vais attendre. On va être deux. Ah, t'as vu? On n'est pas contente. On attend. Moi, je fais la gueule par rapport à toi. Avance. Bande de sauterelles. Eh, viens! Je vais avancer plus vite que toi parce que t'es la celle qui donne les plus. Non, mais merde! Appuie sur start. Je voyais venir en fait, tu voulais lui mettre le coup final, t'as pas le temps. J'ai regagné une vie. Par contre, on a fait la même. Je suis contente. J'ai joué avec Guigui, je suis contente. C'est là, je joue avec mon amour. Là, j'ai fait de la merde. Là, je vais avoir une moins bonne note. Ah non, j'ai eu B quand même en fait. Toi, t'as remonté. Voilà. On continue. Ça aurait été mieux si je me cosplayais en Sailor Mars et Guigui en Sailor Jupiter. Qu'est-ce que vous en pensez? On met Guigui en crossplay de Sailor Jupiter? Faire une version masculine de Sailor Jupiter. Allez, Désirless! T'as vu, c'est Désirless. Bon, tu m'énerves, hein, dégage, hein. Ah, bah ça va, ouais, tu vas tout faire tout seul. Ouais, il va mourir quand lui. Mais viens m'aider toi. Il me laisse comme ça. Mais putain. Mais toi, ça s'appelle du viol. Prédateur. Faut voir. On a eu affaire à un prédateur sexuel, t'as vu? Ouais, je l'ai eu. Par derrière en plus. Viens. Ouais, pour la frime. Allez, viens. Tout ça pour frimer. Ah voilà. Ah voilà. Bien. Allez, viens. Attention, tout. Bah, t'as tout cassé. Bah, bravo. Bah, bravo, tu perds les réparations, hein. Guigui a tout pété. Vilain. Là, il y a Pamela Anderson qui est là. Ça. Bah, ouais. Le comble, c'est toi qui maîtrises la foudre et c'est toi qui te fais électrocuter. Allez, viens.
Allez, viens, avance. Hop là, viens. Bah là, tu peux relâcher, hein. Ah, viens. Putain. C'est les filles qui se coulent, ça. Où je suis? Non, mais je me suis même pas vue, en fait. Elle est morte. Allez, viens. C'est bon. Voilà. Sauf que ça fait partir de l'énergie, ce truc-là. Ouais, oh. Il y a des barres d'énergie qui en empathie, là. Eh bien. Putain, j'ai rien eu, quasiment. Alors là, fais attention, hein. Parce que là, elles sont chiantes. Mais arrête de me balancer, tu m'énerves, toi. Non. Alors là, je vais mourir. Allez, encore une vie en moins. Super. Non, mais elle est chiante. Faut les prendre par derrière, en fait. Alors. Attrape-la, attrape-la. En voilà une en moins. C'est bon, on peut avancer là. Non! Guigui, prends toute l'énergie, tu prends les gâteaux. Oh bah ouais, ça, je vois ça. Tu vois un gâteau, faut que tu le manges, toi, même dans les jeux. Hein. C'est terrible, toi. Non! Bah, de toute façon, t'as pris. Avec Sailor Moon, Sailor Jupiter, c'est l'une des plus gourmandes. C'est elle qui aime bien cuisiner. Putain. En voilà une en moins. Non, frappe-la, va la frapper! Allez, raconte, mon premier continue en moins. C'est que mon premier, hein, je m'en fous. On a encore 4. Ouais! Moi, je m'en fous, il me reste 4 continues. Allez, viens. Toi, t'en as utilisé combien? Ouh, ça me fait une vie. Viens. Mais putain! Ayatollah!
plus. Ça, c'est pour moi. Eh, chacun son tour, hein. Non, mais... On peut tout manger, hein. Elle m'énerve. Dégage. Hop là. Oh merde. Ils sont agressifs, hein, ces danseuses étoiles. Oh mais merde. Mais arrête de me balancer! Putain, mais tu peux même pas les frapper! Car, dégage. Continue, allez. Mais tu fais quoi là? Toi qui fais la danse classique maintenant? T'es contente? Moi je peux plus le faire. J'ai plus assez d'énergie. Bah, en fait, c'est un coup qui fait utiliser l'énergie. Hop là! Attention, alors là, elles sont assez chiantes. On vous l'a mis en main. Non, là, c'est grise, je crois. Mais tu fais quoi? Non mais putain! Ils sont chiantes, hein! Il est même pas touché! Il a encore un coup. Elle est où? Voilà, c'est fait, là. Hop là, on y va. Maintenant, c'est lui qu'il faut avoir. Non mais arrête de me taper! Oh là là, t'es toujours en train de me troller, c'est pas possible. Arrête de me balancer! Je me balance, hein! Voilà, on les a eus. Pouf! Et puis elles se barrent, hein, t'as vu? Les petits sbires, ils se sauvent. Ils ont peur de nous. Alors, que penses-tu de l'équipe de choc qu'on fait? Pour l'instant, j'ai perdu un compte. Toi, t'en as perdu combien de continues? 2, 3. Putain, là, j'ai fait de la merde. Oh, bah oui. Alors là, on a eu des notes pitoyables. On a fait les noobs. Mais surtout à toi, au moins. Allez, on arrive à la fin. Dernier stage. Eh bien. Ne viens m'aider. Ouais, viens. On y va. Avance. Ça, c'est pour moi. Hey, essaie de rester jusqu'à la fin, Guigui.
Allez, viens. Allez, avance. Oh putain. Allez, hop là. Une grouille encore là. Allez, là, on va être deux. Il y en a même pas une qui l'a touché, t'as vu ça? On a fait les quiches toutes les deux là. On est nuls, hein. Attention. Non. Oh putain. Il reste un. Ah putain, je les aime pas. Dégage. Et tout, on les a touchés. Ah, pour moi, ça. Eh bien. Ouais, ça finit. Eh bien. Ouais. Il va finir le jeu avec moi. Vous allez être contents. Oh putain. Non mais lâche-moi. Oh merde. Eh, t'as fait quoi? T'as fait ta gymnastique là? On est à la fin. T'as fait le ménage. Allez, dégage là. Prends ce sport, hein. Prends ta rose. Prends ta rose. Pêche-toi. Prends-la. Tape. Prends ta rose. Bah voilà, trop tard. Ouais, je vais prendre ce qu'on veut. L'autre, elle est... Je m'en doutais qu'elle allait sauter l'autre. Mais encore, elle est pas morte, elle est pas morte, elle est pas morte. Je l'ai eu. Ouais, c'est le dernier. On est au boss final. Oh putain.
Oh merde! Oh putain! Non mais non! Oh merde! Troisième continue que je perds. Tu nous fais quoi là? La technique en 10 kills. Ouais, tu l'as mis le coup final! En faisant du Gigi Skill. Voilà, bah monsieur a eu le boss final. T'es content? C'est toi qui as le plus de points. Donc voilà, on a terminé notre jeu et notre revanche. Donc on va découvrir nos notes qui vont pas être très fameuses. Ah moi j'ai eu un B quand même. Ça va, j'ai assuré pour la fin. Et Gigi a fait du Gigi Skill. T'as quand même eu le boss, hein. Respect, hein. Donc, si vous avez aimé cette revanche à Sailor Moon R, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu en dessous de notre vidéo. Ça nous fera vraiment plaisir à tous les deux. Ce sera un magnifique signe de soutien à notre égard. Si vous avez des suggestions, des remarques, des jeux rétro à me préconiser pour la suite de mes vidéos à venir dans le futur ou pour mes prochains lives du vendredi soir à 21h30, n'hésitez surtout pas à m'en faire part via un commentaire en dessous de ma revanche sur Sailor Moon R avec Gigi. J'en prendrai note pour la suite de mes vidéos à venir ou pour mes prochains lives du vendredi soir à 21h30. Si vous avez des suggestions et des remarques, c'est pareil, laissez vos avis en dessous de la vidéo. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous avez visualisé cette revanche à Sailor Moon R en amoureux cette fois-ci. Et on vous dit à bientôt en vous laissant avec la cinématique de fin de Sailor Moon R. Ce qui est bien, c'est que via le premier let's play, vous avez eu la fin du jeu avec le game over assez humoristique, avec Sailor Chibi Moon qui pleurait toutes les larmes de son corps, et Luna qui se prenait, le chat Luna qui se prenait le game over en pleine tête, c'est limite de la maltraitance animale. Bon, c'était rigolo, mais c'est vraiment pas sympa pour les petits chats et pour faire pleurer les petites filles. C'est l'humour japonais, et là vous avez eu la cinématique de fin du jeu puisqu'on l'a terminé pour la revanche. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous avez visualisé cette revanche sur Sailor Moon R en compagnie de Gigi, et on vous dit à bientôt.